Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Afia et aujourd'hui je vous propose la recette de lait de soja. Et voilà, on va commencer. J'ai les graines de soja, environ 10 à 50 grammes. Et ce que je vais faire, je vais d'abord verser les graines de soja dans un récipient et je vais y verser environ 3 fois leur volume en eau. Et puis, je vais laisser tremper toute la nuit et au pied, tu peux laisser tremper environ 6 heures. Voici, notre graines de soja sont augmentées en volume. La raison pour laquelle on les trempe toute la nuit, c'est pour que les graines de soja vont gagner en volume, mais aussi vont prendre une forme et aval. Ce que je vais faire ici, c'est jeter l'eau de trempage et après, je vais bien rincer le soja. Et après, je vais placer les graines de soja dans un jug ou bien dans le jug d'un blender ou bien d'un mixeur et avec environ 2 verres d'eau. Et après, je mixe pour obtenir quelque chose d'assez pâteux. Voilà, les graines de soja sont complètement mixées. Ce que je vais faire, c'est filtrer le lait pour obtenir une texture parfaitement lisse. Et voilà, j'ai obtenu les laits de soja ici. Et l'étape suivante, c'est verser les laits de soja dans une casserole. Et encore ici, je vais ajouter encore 10 à 50 millilitres de l'eau. Je vais porter à l'ébullition et je continue à surveiller de temps en temps, en mélangeant comme ça et en cuisine de feu moyen à feu moyen. Quand le lait de soja commence à bouillir, il faut faire attention ici, il faut baisser le feu. Au feu doux et continuer à mélanger comme ça, à éviter que le liquide puisse déborder rapidement. Ici, tu peux ajouter des arômes si tu veux, comme du sel, un peu de sel, et comme du sucre ou les autres de ton choix. Il est vraiment préférable de surveiller la cuisson parce que le lait de soja a la fâcheuse habitude de déborder. Continue à bouillir à feu doux
mais en mélangeant jusqu'à ce que l'odeur de soja va disparaître. Une fois que le lait de soja est bien cuit, coupez le feu et enlevez la casserole. Arrivez la casserole de la cuisinière et laissez le lait refroidir. Le lait est bien refroidi. Je vais enlever une pellicule à l'aide d'une fourchette et je jette là. Voilà. On jette la pellicule. Voilà notre lait de soja fait maison. Merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et à la prochaine. Bye.